Moi, salut tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Non, bye, bon Dieu, gloire. Est-ce que les faits nous grâce, nous capables encore vivants aujourd'hui, hein? La parole de Dieu dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors, moi, espérer que journée ça va une journée de joie pour nous-mêmes, une journée de une journée d'allégresse. Une journée de bonheur, une journée de paix, ou même qui parle des vidéos, ça, qui parle tant de vidéos, ça, et que bon Dieu réconforte ou à travers parole, li, qui ou parle tant de dans vidéo, ça, à travers son serviteur, pasteur Jameson Franch, comme on connaît déjà. Nous, c'est pasteur l'église avec Shekinah Tabernacle, qui est situé li, dans 80 West Merricourt, Freeport, New York, 11h520. Alors, nous toujours des services en chaque dimanche. Nous avons un culte d'adoration qui commence à 2h PM, nous finit à 4h30. Et nous invitons aux capables de venir adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble avec nous, venir entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Et chaque vendredi soir, nous gagnons un moment de prière. Moment de prière, ça, c'est pour tout le monde qui est malade, qui est entravé, qui est dans le besoin, qui a une charge que et mon a apporté, que mon n'a pas capoté pour contre lui, vienne pour bah, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit dans Psaume 50, le verset 15, invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. D'évoquer dans le moment de détresse et m'a délivré, c'est comme ça, ou même, on va glorifier nous, on va exalter nous. Alors, nous, bye, bon Dieu, gloire, nous disons bon Dieu merci pour le privilège, pour faveur que lui accorde nous, et côté que nous sommes capables d'approcher devant trône à n'importe quel moment. Nous disons merci pour ça, et, mais c'est parce que les pays ont pris aussi qui fait que moi-même, ensemble avec vous, capable de gagner accès à ça. Pour que nous soyons capables d'approcher devant le Seigneur. Alors, on va ouvrir Bible avec moi dans Jean chapitre 3, le verset 17. Jean chapitre 3, le verset 17. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, et bon Dieu, à la personne de Jésus-Christ, il est venu sur la terre, c'est pour être capable de sauver l'humanité, c'est pour être capable de sauver le monde entier. Alors, dans la première venue de Jésus-Christ sur la terre, il n'est pas venu juger le monde, mais il était venu pour être capable de sauver le monde. Parce que la Bible explique nous, après le péché, et l'homme vient privé de la gloire de Dieu. L'humanité en général vient privé de la gloire de Dieu parce que la Bible dit tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, dans la première venue de Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour être capable de venir sauver l'humanité. Ça fait que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que dans la première venue de Jésus-Christ, il était venu. Il est venu pour être capable de sauver l'humanité, tout le monde qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ, qui acceptait le sacrifice de Jésus-Christ, mon saillot, et venu accès avec le salut de Dieu. Jésus-Christ vient, il a sauvé pour tout le monde saillot. Moi-même, Jésus-Christ, c'est sauvé moi parce que moi sauvé par le sang de Jésus-Christ, par ce grand sacrifice, par son grand sacrifice, Jésus-Christ sauvé. Jésus-Christ est mon sauveur.
Et même genre pour tout l'autre monde qui a accepté Jésus-Christ s'est sauvé aussi. Ça fait que la Bible dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui, lorsque Jésus-Christ te fait apparition sur la terre, il te fait apparition pour que le monde soit capable de sauver par lui. Mais la Bible dit, pendant que Jésus-Christ fait apparition, il est venu dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui te recevra Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui te recevra Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, en premier, le verset 11-12, la Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors que pendant que Jésus-Christ est venu sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui était recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui était recevoir. Mais c'est un groupe de monde qui était recevoir. Et jusqu'à maintenant, malgré l'évangile à prêcher, ce n'est pas tout le monde qui a accepté l'évangile. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté tandis la parole de Dieu. Et il y a un groupe de monde aussi qui tandis, qui a accepté tandis la parole de Dieu, mais qui va arriver remettre Jésus-Christ la vie. C'est que, autant de la parole de Dieu, ou pas remettre Jésus-Christ la vie pour le sauver, bon Dieu pas responsable parce que il est déjà investi, il est déjà payé le prix. Il est déjà payé le prix pour que le monde entier soit capable de sauver. Question pour vous-même qui parle dans des vidéos, ça. Si Jésus-Christ vient qu'on y a, est-ce qu'il est prêt pour aller ensemble avec qui dans le ciel, est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est sauvé? On a fait tout le temps, toute vie, on a marché l'église, mais on n'est pas sauvé. Est-ce qu'on est bon? Au fond, en cœur, on est bon? Au fond de votre cœur, de ton cœur, on n'est pas sauvé parce que le salut, c'est un bagage qui est personnel. Le salut, c'est pour un bagage que vous avez fait, mon roi. Oui, c'est que vous acceptez Jésus-Christ. Ou déclarer publiquement que vous acceptez Jésus-Christ, mais le salut c'est un bagage qui est personnel, c'est ça que la Bible dit, le salut est personnel. Ça veut dire que saluant, c'est en dedans cœur, Jésus-Christ c'est en dedans cœur, relation que vous avez avec Jésus-Christ, les deux, personnel. Et il y a plus le monde qui a fait mon roi, je ne vous dis que vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, mais pour autant, lorsque vous allez plus profond et mon saillot, c'est un tombe blanchi, même gens que nous toujours dit expression ça, et y a pas chrétien vrai, y a pas chrétien, et mais tout le monde qui acceptait Jésus que tout bon comme sauvé maintenant la vie, mon saillot, ce sont des chrétiens, des sauvés. La Bible dit qu'on s'accueille dans Isaïe 43, le verset 4, il dit parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Premier monde que bon Dieu bail n'a place où, c'est peut-être pas, c'est que ou pas comme ça. Premier monde que bon Dieu bail n'a place, pas moi-même en ce moment, c'est peut-être pas. Parce que lorsque l'homme fait un péché, tombé dans le péché, dans la désobéissance, et seul sacrifice qui était capable de satisfaire la justice de Dieu, c'est la mort de l'homme. Mais malheureusement, la mort de l'homme peut être capable de satisfaire la justice de Dieu. C'est ça fait que la Bible dit nous, dans le premier verset que nous te lions, on dit dans Jean 3, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça veut dire que Jésus, bon Dieu, en la personne de Jésus-Christ, il vient pas peut-être pas sur la terre pour être capable et satisfaire justice. C'est seulement la mort de Jésus-Christ qui est capable de satisfaire la justice de Dieu. Ça veut dire que moi-même ensemble avec vous, bon Dieu vient mourir pour nous sur le bois de femme du calvaire. C'est parce que les reins, mais non, des prix dans les yeux, bon Dieu. C'est ça que lui dit dans Isaïe 43, le verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. En plus, le monde capable de regarder, capable de dire que tu n'as pas de valeur dans les yeux.
bon mari ou capable garder ou madame ou capable garder ou capable dire que ou pas gain valeur dans dans vieux ou yo pas remet encore après une période de temps mais m'a dit au matin moment ça gain un monde qui remet ou monde qui remet ou l'enlire les Jésus-Christ de Nazareth mon gain valeur dans vieux là les Jésus-Christ de Nazareth ou capable expirer dans vieux les hommes capable arriver au moment mon pas encadré encore on voit le monde qui qu'on a levé en l'air pas levé en l'air encore ou pas gain valeur dans yeux yo pas remé encore et ça te qu'on fait ou remé là les fané le fini et les disparaître c'est l'argent c'est beauté ou c'est forme mais Jésus-Christ que ou gain forme ou pas gain forme les remé on parce que c'est le même qui créé ou on voit c'est le même qui créé ou c'est œuvre bon Dieu remé ou. Et que vous êtes chrétien ou pas de chrétien, bon Dieu, remet. On ne peut pas regarder vidéo ça. La fois qu'on est que Jésus-Christ remet, ça fait que les venu sur la terre, les mourir pour vous-même, les mourir pour moi-même, les mourir pour l'humanité. Dans Romains chapitre 10, le verset 13, la parole de Dieu dit, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Tout monde qui fait appel au nom de Jésus-Christ, sans exception, n'importe groupe de monde qui ou y n'importe parti, on va dire que vous avez fait et c'est que vous faites appel à le Seigneur Jésus-Christ l'a sauvé, que toi t'es fille ou t'es garçon ou t'es lesbienne, ou t'es gay ou t'es grand, on va dire ou t'es un païen rouge ou pour que jamais accepter Jésus-Christ comme sauveur maintenant la vie ou bien ou t'accepter Jésus-Christ ou chuter depuis que vous faites appel avec le nom de Jésus-Christ l'a sauvé parce que les remèdes ou gain valeur dans l'huile les potes monde qui relève le Seigneur Jésus-Christ les a sauvé. En effet toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée gagner le salut permanent le salut permanent excuse-moi le salut permanent c'est tout le monde qui est sauvé qui est pour entrer dans les dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ gagner le salut temporaire et mon capable bailler Jésus-Christ sauvé du malheur on va Jésus-Christ et délivrer parce que le mot salut signifie la délivrance la libération la protection et la transformation avec gain salut en temporaire mon gloire pas converti Jésus-Christ sauvé du malheur du bagaille mais le plus grand salut que Jésus-Christ a parlé la Bible a parlé c'est le salut permanent c'est salut pour tous les élus de Dieu les sauvés les enfants de Dieu monde qui gain pour aller passer éternité avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Pour terminer, pour finir, Hébreux chapitre 7, le verset 25. Lisez. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. On voit tout le monde qui approche de bon Dieu à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ capable de sauver tout le monde. C'est ça que dit Hébreux chapitre 7, le verset 25. Par conséquent, il peut sauver, il peut aussi sauver parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ, mes bien-aimés, est toujours vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Il y a plein de monde qui pense à Jésus-Christ. Pourquoi ressusciter? Jésus-Christ ressuscité déjà, le vivant. Il y a plein de monde qui pensait que Jésus-Christ pas réel. Jésus-Christ réel. Qu'est-ce qu'il te dit Thomas? On va te dire à Thomas et ou même si ouais pour ouais pourquoi? On va ne peut dire heureux monde qui pas ouais. On va qui connaît moi-même et puis il te dit comme ça que mes macio, on va mes macio, viens garder, viens toucher. Alors pour montrer mes bien-aimés Jésus-Christ en réel, Jésus-Christ est vivant. Et suis capable de constater ça moi-même dans la vie pas moi et dans la vie famille moi dans et parcours ministériel moi dans expérience moi avec bon Dieu Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est réel on prend Jésus-Christ peut vous sauver il est capable de sauver vous parce que il est le Dieu des dieux il est le Seigneur des seigneurs il est le roi de gloire Jésus-Christ est le grand
grand sauveur de tous les temps. Ce que vous t'a aimé pour Jésus-Christ sauver, c'est la vie que vous doit remettre à Jésus-Christ. Bah Jésus-Christ la vie, l'a sauvé. Jésus-Christ a sauvé, l'a délivré. Parce que lui dit la parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Vous te mettez vivre en Jésus-Christ. Bah Jésus-Christ la vie, l'a sauvé. Là-bas au repos, parce que Jésus-Christ lui-même est le repos pour tous les élus, pour tous les chrétiens, pour tous les sauvés, pour tout le monde qui est venu à lui. On rend Jésus-Christ laisser repos. On rend lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous acceptez le salut de Jésus-Christ, vous rentrez dans le repos. On rend du Dieu, le repos éternel du Dieu, vous rentrez dans le repos. Ça, on rend ça bas signifie repos. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous rentrez dans le repos, bon Dieu. Alors, et nous parlons terminé d'arriver prier pour tout le monde qui va regarder vidéo ça, qui est au converti ou pas converti, d'arriver prier pour vous. Et c'est que au malade aussi, au capable de recevoir la guérison divine de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que au bon côté qu'à faire au mal et en souffrance ou bien en persécution. Pendant que nous allons faire prier ça, posez mes côtés qu'à faire au malin et le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver, ou est capable de changer la vie, ou est capable de transformer la vie. Et si vous pouvez combattre Jésus-Christ la vie, comme nous disons ça déjà, mes numéros capables de 516-468-1541. C'est comme ça que nous sommes capables de prier ensemble avec vous, capables de remettre Jésus-Christ la vie. On nous prie. Grand Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, nous avons ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous approcher devant trône béni. Ou dit dans la parole, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans le sort, cher Seigneur, apparaît un tel enseignement. Mon saillot qui prend le temps de parole, qui prend le temps de message, ça, mon réclamé. Yon transformation, yon changement dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit. Yo, moi réclame que vous guérissez mon zao spirituellement et que vous guérissez physiquement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon qui pourquoi accepter Jésus-Christ, on va toucher le cœur, cher Seigneur. On va barrer yon marché par ici parce que pas de temps encore, on en route. Et c'est comme ça, yon va remettre la vie yo, à vous-même, le Seigneur. Le monde qui t'a déjà accepté au nom de Kimbe au près la croix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne le sachez, Seigneur, je prie pour tout le monde qui a eu persécution, pour tout le monde qui a souffert à une maladie dans le corps. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tu ne changes pas, pas d'ombre de variation, cher Seigneur. La caille dans vous-même. Je vous t'en prie au son de ma voix. Pendant que vous attendez prier ça, on va guérir, on va délivrer. Quel que soit démon, force ténèbres qui t'empare, tout va tomber, tout va disparaître, ou va délivrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je clame guérison pour vous, je clame santé, je clame la paix, je clame la joie qui vous fait succès, qui vous marche de victoire en victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton Seigneur soit béni, soit loué, soit exalté, soit magnifié. C'est comme ça que nous prions dans le nom de Jésus-Christ qui vit guérir au siècle de siècle. Amen. Alors, merci de ce que tu prends le soin pour être capable d'entendre enseignement ça et pour être capable de recevoir prier ça, que bon Dieu touche ou que bon Dieu guérit ou que bon Dieu délivre ou. Et pas oublier, visitez nous dans l'église avec Shekinah Tabernacle, adresse dans ces 4 rivières ouest, Merrickwood, Freeport, New York, 11520. 4 rivières ouest, Merrickwood, Freeport, New York, 11520. Ou même qui n'a Brooklyn, qui n'a Long Island, qui n'a Queens, qui n'a Bronx, n'importe côté qui est Otaï ou dans la Sourd. Et nous, attendons dans l'église avec Shekinah Tabernacle, pas oublier, chaque vendredi, nous avons prière et enseignement de la parole de Dieu. Et nous commençons à 7h p.m., nous finissons à 10h p.m. Chaque dimanche, nous avons culte d'adoration. Nous commençons à 2h p.m., nous finissons à 4h30. Alors, nous invitons à venir en foule, venir avec vos amis, avec vos proches. Et bon Dieu, pas manquer, pas bénir. Et pas oublier, abonner avec Chanel YouTube. Ça, pour capable toujours
joindre toute vidéo automatiquement, quitte nous live ou bien nous pas live, on joue toute vidéo pour capable édifier dans mon, pour capable aider ou sous course dans route là pour la gloire de Dieu. C'est du frère Jameson Franche. Que Dieu vous bénisse.